Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Binding of Isaac Afterbirth. Ladies and gentlemen, on se retrouve non pas ici, mais pour Boom Boom, un petit challenge nommé Hyrule, qui ressemble à Hyrule évidemment, et qui va y ressembler, et pas qu'un peu. Alors qu'est-ce qu'on a comme item? On en a pas mal, pouf. On a donc les deux kippis qui nous permettent d'aller jusqu'à Mega Satan, qui va être notre objectif. On a The Ladder qui va nous permettre de passer les blocs. Quand il y a un bloc de vide, on peut passer à travers. Le Boomerang, un activable qu'on connaît très bien. Trinity Shield qui va bloquer des projectiles. Et le Mom Knife. Donc on est un peu Link, t'as vu, tu connais les brailles. Et quand je dis Link, évidemment. Mais c'est plus drôle de dire Link. Parce que Link, il connaît Terracide. Et ouais, ma gueule, Link et Terracide, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais Link et Terracide? Voilà, leur propagande marche beaucoup trop bien. Des bisous à Link et Terracide. Et on tue les ça. Alors, vous allez vous dire, oui, c'est un challenge facile. Vous avez le knife, monsieur Blicher. Il n'y a aucun challenge réel là-dessus. C'est facile de jouer au knife. Bon, oui, en soi, c'est facile de jouer au knife. Mais il faut prendre en compte qu'on aura, sur ce truc-là, zéro trésor room. On aura les shops. Mais zéro trésor room. Donc on a que les items de boss hein, comme vrai item de débusqué. Donc il va falloir réussir à survivre dans ces conditions là, qui ne sont pas les meilleures conditions de l'univers, si je puis voilà, me permettre personnellement par la présente, j'ai envie de dire. Pouf. Alors je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées par contre d'avoir pris ça maintenant, mais j'aurais peut-être dû le prendre avant de quitter l'étage. Mais je suis un petit peu con. Voilà, c'est le truc. C'est que j'ai pas de cœur bleu, je dois avoir 3 cœurs rouges, quelque chose comme ça. Et donc, il faut faire avec ce qu'on a. Hop, hop, voilà. Nickel, et donc faut pas que je perde de vie sur notre ami le boss. Oh, un boss chiant en plus. Ok. Bon, un boss qui va pas être si chiant que ça. Vas-y. Voilà. Nickel, et donc on n'a pas abîmé notre truc, on récupère du Tears Up des familles, on ne marche pas sur les pics, et boum, on va monter normalement à 4 cœurs si je n'ai pas fait de conneries, et je pense que je n'ai pas fait de conneries. Voilà, on est monté à 4 cœurs, et on est les amis sur un Bowling Basement. Ok, pardon, il y avait une Tintadrak ici, cœur bleu, très bien, on protège notre Devil Deal. Ça, c'est pour le plaisir de l'explosion, et de l'autre côté, on aurait pu avoir un plaisir de l'explosion, mais on a eu surtout, au grand, surtout un plaisir de la flemme. Ici... Non, mais non. Waouh, il y en avait deux, très bien. Il nous faudrait beaucoup trop de bombes, donc on peut pas se permettre. Ah, par contre, attends. Il y a un truc que je suis pas sûr, mais qui me semble. Voilà, c'était la phrase la plus lucide que j'ai faite de ma vie. Il y a un truc que je suis pas sûr, mais qui me semble. C'est que je crois. Voilà, ok. Notre barre d'espace nous permet de récupérer les items. Ce qui fait que pour une bombe ici. Voilà, histoire d'avoir le bon angle. Alors soit ça a pas marché, soit ça ne marche pas avec les coffres. Ça ne marche pas avec les coffres, merci, bonne journée. Attendez, attendez. On n'a pas de bombe, de clé pour ouvrir le premier, mais on a accès au deuxième. Voilà. Ok, donc on a gagné un demi-cœur dans cette histoire et récupéré une bombe. Il nous faudrait une clé pour être vraiment rentable et comprendre ce qu'on a fait et apprécier vraiment ce qu'on a fait. Mais ça viendra peut-être ou peut-être pas, j'en sais strictement rien. C'est la vie. Hop là, merci. Une clé. Ce n'était pas une clé. Merci, bonne journée. Ouh, il y a beaucoup de teintés de rock. Il y a beaucoup de teintés de rock dans cette ville. Mais oui, mais elles sont pas toutes hyper utiles. Ah, c'est le défaut. C'est le défaut. The official défaut. C'est qu'elles sont pas toutes utiles. Ici, on n'a rien récupéré. On va partir sur la grande salle parce que c'est ici que ça va se continuer. Je l'espère, cela, je le pense. Voilà. Clé. Clé. Non. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour. Bonjour. Clé, clé. Ok, donc le truc, le premier coffre est pas très très loin. On récupère, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, clé! Ouais, ouais, le mec se satisfait dès qu'il a une clé. C'est genre, clé, mais vous, c'est ta clé. On remonte, et là, on va se choper un petit damage job des familles. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va être génial. Donne-moi de la thune. Non, merci, au revoir. Ok, ok, boum, damage job. Boum. Non.
Mais on a récupéré une clé, donc on va s'en satisfaire. Alors pourquoi on joue? Je tiens quand même à le dire. On joue pour un trinket qui s'appelle Poker Chip. Et quel est le but de ce trinket? Eh bien, c'est tout simplement de modifier notre... de jouer au poker les coffres qu'on va trouver. C'est-à-dire que si on a un coffre, et que ce coffre, eh ben, il aura 50% de chance de nous looter plein de trucs, et 50% de chance de rien nous looter, ou juste de nous looter quelques petites mouches à la con. Donc voilà, donc c'est le but de ce trinket. Est-ce que c'est un trinket que je veux? Non. Oups, Magic Mushroom des familles, j'aime beaucoup. Et The Pack, j'aime évidemment beaucoup. On est à beaucoup de dégâts. Ok. Merci, c'était génial. Direction l'étage suivant. Donc on est à 7,35 de dégâts. On a le multiplicateur de Magic Mushroom qui est monstrueux. On a The Pact qui est monstrueux. On a un petit The Fool des familles. Et on n'en a pas besoin. Ok. Plein. Alors regardez, hop, on perd un cœur. On n'est plus qu'à un cœur à cause de ça. Sauf qu'on en reprend comme ça, nickel. Merci bien. Et cette salle-là nous aura coûté 0 euros en temps. Donc c'est parfait ainsi. On va aller sacrifier de la villa. La villa, la villa. On the full au KLM. Ok. Ok. On remonte, on va partir à droite. J'ai dit on va partir à droite, me faites pas esquiver cette salle. Grosse, grosse salle. Grosse, grosse salle de lucidité. Bonjour. Bonjour. Merci bien, bonjour. Très bien, je n'ai pas cassé ce truc. Ok, on remonte. On remonte, on remonte. J'avais oublié ce détail. C'est un... Bah oui, et j'avais oublié ce détail-là aussi. C'est un truc qu'on oublie beaucoup trop souvent. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Et hop là, on récupère le trinket. Et on récupère de l'autre côté les petites pièces. Et ça va mettre beaucoup trop longtemps à les récupérer. Voilà, j'adore récupérer des pièces. Surtout qu'il y a les shops, donc c'est utile. Mais bon, c'est juste très chiant. Bonjour, je récupère des pièces, c'est la foire du trône. Bonjour, je récupère des pièces, c'est la foire du trône. Merci. Voilà, bonne journée. C'était le meilleur moment de ma vie. Ah ouais, mais ça c'était évident. Bonjour, reviens. Je l'ai eu. Je l'ai jamais eu cette... Ah si, je l'ai eu. Ok, ok. Ok. Ok, très bien. Et on remonte parce que ça m'inspire. Et si ça m'inspire, c'est que c'est la vérité. Ok. Ok, très bien. Zut. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci, merci beaucoup. Allez, très bien. Ok, très bien, vous mourrez tous, vous mourrez tous. Donc là, pour l'instant, les amis, ce challenge se passe dans le meilleur des mondes. Et je crois que c'est pas un challenge facile. Si, ça doit être un challenge facile, en fait. Non, je dis ça parce que j'ai souvenir que, mais en vrai, au vu de la difficulté que j'ai à faire ce challenge, il doit pas non plus être infaisable, quoi. Je veux dire, on a eu une bonne sortie, hein. Je vous avoue que choper assez vite un Magic Mushroom, un The Pact et des choses comme ça, c'est toujours assez plaisant. Mais bon, c'est pas non plus le truc le plus abusé d'une vie, et on s'en sort bien. Voilà, Devil Deal. Devil Deal. Pas de Devil Deal, merci. Box. La box qui est remplie de plein de trucs qui nous font rêver. Power Pills. Hierophant, ouh, Hierophant, j'aime Hierophant. Allez, on se casse. On se casse, c'est très bien, direction la salle de gauche. Qu'est-ce qu'on y trouve? Rien? Ah si. Voilà. 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 Et voilà. Ok, très bien, salle suivante, on reste concentré. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Ok, pognon. Ok. Vas-y, redescends, redescends, redescends. Très bien. On est bon. Ah, enfin. Ok. Très bien.
Donc évidemment, on a des clés, on a de la thune. Et on va acheter de la merde. Mumspurs. Ça. Ça. Addicted. Ok, c'était de la merde, on s'est emmerdé. Mais on s'en tape. On s'en tape, c'est normal. Ok, je le sens bien là. Lui, je le sens bien. Ok, ok. Ok. Two of diamond. Voilà, nickel, c'était bien, c'était rentable. C'était rentable, ma gueule. Ok. Ok. Et toi, instant die. Allez, nickel, on est bon, celle suivante. Merci, monsieur. Merci, messieurs. On redescend, on est bon. Merci beaucoup. Non, 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 non. Ah, oh, le jeu qui... Waouh, le jeu qui se fout de ma gueule, quoi. Il veut pas que je fasse des choses. Non, mais laisse-moi te tuer. Merci, ça a été long, mais on a réussi. On active cette pile, 48 heures of energy. On s'en contrebranle. Et on est sur un black guppy. Un guppy d'invocation. Ok, et on a perdu un petit peu de vie, mais pas assez pour que ce soit chiant. Ah, c'est à cause de lui, mosquito de merde. Ok. Ok, je viens de me faire avoir bêtement. Merci. Et... Oh, store credit. Est-ce que je veux... Oui, je veux ça, oui. Head of Krampus, beaucoup mieux. Et Binky qui réduit notre hitbox, ce qui est une bonne chose, donc j'approuve, et c'est très bien. Ok. Ok. Voilà. Si on peut aller vite, eh bien, on le fait. Si on peut se passer de salle comme ça, on le fait aussi. Et on va descendre. Oh, très bonne idée de descendre, dis donc. Merci. Ok, je me suis fait toucher bêtement, j'ai pas aimé, mais c'est pas grave. On va dire que ça passe. Ça, c'est mort. Très bien, on récupère la bombe. Je ne vois pas de Tainted Rock, donc je m'en tape. Je ne vois pas de Tainted Rock, donc je m'en tape. Je vois pas de Tinted Rock. It's the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more. Pardon, ça n'avait rien à voir. Ok. Ok. Ok, très bien, celle suivante. Ok, très bien, c'est presque fini. Oulala, 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 oulala. Ouh, la mouche qui me touche, quoi. Le seul truc qui me touche, c'est une mouche. Sérieusement? Ok, très bien, celle suivante. Ok, très bien, celle suivante. Non, j'ai dit celle suivante. Non, non, me fais pas galérer sur cette salle, mec. Non, non, cette salle est nulle. Cette salle est clairement nulle, merci bien. Et ok, on a trouvé l'endroit où on voulait aller. Ok. Oh, je l'ai bien senti, là, dis donc. Ok. Et nickel. Et on récupère un damage up, et pas des moindres, parce que c'est un plus 1,98 avec notre multiplicateur. Le multiplicateur, il n'y a pas pour rien, je vous l'accorde. On récupère un guppy item. J'ai envie d'être un petit chat. Hein. J'ai clairement envie d'être un petit chat. Et voilà. Je suis malade. Complètement malade. Ok. Ok. Ok, vous inquiétez pas. Hein. On va être un petit chat. On va être un petit chat bientôt. C'est une question de temps. C'est une question de talent. C'est une question de beaucoup de choses. Coffre rouge, je prends. Ok. Ok. Cette salle est terminée, très bien. Ok, donc, il nous reste dans cette salle, oups, 3 cœurs qui traînent. Donc on est heureux. Il nous reste 3 cœurs bleus, donc si on meurt, c'est pas grave. Voilà, je me suis suicidé, petit suicidé même dirais-je. Hop, 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 hop. Et comme ça on pourra récupérer contre un cœur rouge et sans prendre de risque. Ah oui mais merde, mes chances de Devil Deal.
Ah non, c'était hyper con en fait comme action. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Restons sains, restons bien quoi. On récupère, pouf, les cœurs bleus ici. On a The Hero Fence qui peut nous donner des cœurs bleus si nécessaire. Pour l'instant, je le garde au cas où on chope une blanc card. Parce que le combo blanc card Hero Fence, c'est intéressant. Et que pour l'instant, on n'est pas en déj de cœur. Voilà, ce serait bien. On récupère une clé sur le chemin. Voilà, très bien. On récupère une clé. J'allais utiliser Head of Krampus pour récupérer la clé en disant que j'ai encore le boomerang. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, notre objectif, hein, c'est de faire Mega Saturn. Donc là c'est plus tard la difficulté. Là pour l'instant c'est pas encore difficile en fait. Là pour l'instant c'est pas encore difficile. C'est le combat Mega Satan qui va nous faire en chier. Mais Mega Satan est pas un boss hyper dur non plus. Mega Satan c'est même plutôt simple. Enfin, c'est assez particulier de dire que Mega Satan c'est hyper simple mais c'est comme ça. C'est comme ça, je dis suis pour rien. Mega Satan c'est pas compliqué parce que par rapport aux boss qui nous ont foutu après en fait. Les boss d'après sont bien plus durs que Mega Satan. Mega Satan à côté, c'est vraiment, vraiment de la merde. Je vérifiais, hein, mais oui, c'est bien Mega Satan qu'on doit faire. La petite pièce qui traîne, on s'en tape. On a 57 de pognon. On n'est pas une pièce près. Bon, là, celle-ci, elle est sur notre chemin, donc on prend quand même. Hop là. Hop là. Très bien. On récupère ça parce que why not. Et parce que ça, c'est utile, vu qu'on va sûrement faire le chest. Ok, très bien. Ok. Luck up, très bien. On a un luck en plus. Je dis toujours oui. Oui. Là, je porte plainte. Il était pas censé me toucher, mais bon, passons. Ok, mom. Ok. Waouh, c'était un petit peu ghetto, mais c'est passé. Polaroid. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc on n'est pas censé faire ça. Hein. Oh, on n'est pas censé faire ça, mais c'est trop drôle. J'y peux rien. J'y peux vraiment rien. J'y peux vraiment rien. Je résiste pas à ce genre de truc, moi. Donc on se fait sur un challenge où on n'est pas censé faire ça, on fait un boss rush au KLM. Ok. 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 Ouais, on a réussi. Bonjour. Merci, suivant. Voilà. Pour l'instant, on a gagné des cœurs. Voilà. Petit ange des familles. Ah merde. Bon, pour l'instant, on n'a pas gagné des cœurs parce que je me suis touché bêtement tout seul. Voilà. Ok. Qui est l'autre? Ah, l'autre, c'est lui. Très bien, il est où? Il est là. Ok. Mais là, on joue Epic Fetus, les enfants. Hein. Ça va chier. Hein. Ah, là, on a gagné de la vie. Là, on a gagné de la vie. Là, c'est officiel. Bonjour. Ouh, toi, tu vas prendre cher. Allez, salut. Ok. Suivant. Ok. C'est qui le dernier? C'est lui, d'accord. Allez, tu crèves. Allez, t'y es presque. Tu es mort. Suivant. Ok. 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 Allez, l'éclate, la folie. La folie, l'éclate. Personne ne m'arrêtera jamais. D'accord, on a lui ici et l'autre de l'autre côté. Ok. Non, reste ici, reste ici. Non, non, bouge pas, bouge pas. Ok, nickel. Voilà, lui il est mort. Et lui, il va faire de même incessamment sous peu. Voilà, il est mort. Ok. Ok. On bute les potes. Ok. Ok. Ah ouais, carrément. Ok, très bien.
Il reste quoi où? Il reste lui ici, très bien. Voilà, lui. Bon, bah lui, il va être un peu plus chiant que les potes. Ok, ça, voilà, ça c'est décédé. Ah non, pas encore. Ah, et ça a tué l'autre phase. Ok, j'ai fini. J'ai fini et je récupère Gemini, le carry item de votre vie. Vérifions qu'il n'y a pas de cœur bleu qui nous a abandonné. On a un peu perdu de vie, mais on a tellement gagné en puissance, mon dieu. Epic Fetus, Knife, c'est une synergie assez intéressante et assez violente. Donc on est ravis. Où sont les gens? Où sont les gens? Les gens? Ok, donc c'était la salle la plus chiante du monde. Hein, vous l'avez pu le remarquer, j'étais hyper concentré pour une salle de merde. Très bien, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Bah, ça marchera pas, ça. Ok. 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 Putain, la probabilité qu'il se fasse pas toucher par le truc, c'est quand même sale. Ok. Et donc ça, est-ce qu'on le prend? Ça peut être drôle. Je pense que ça a aucun impact. Soyons honnêtes, je pense que ça a aucun impact. The Magician, on va le garder pour Mega Satan, histoire de torcher un peu le jeu et de se marrer. Voilà, et toi tu es mort, merci. Pognon Land, on va ici. Boum. Oh, ça c'est trop bien comme ça, à faire avec cette synergie. On l'a déjà fait ensemble cette salle, je le sais, parce que je l'ai découvert en vidéo cette salle. Et qu'accessoirement on a tellement de vidéos ensemble sur ce jeu que bon, la plupart des salles on a dû les faire ensemble. Mais cette salle est géniale. The Magician. Oui, non, on va pas aller là-haut. Ok. Ok. Ok, très bien, qu'est-ce qu'on a ici? Un cœur rouge, une bombe, le cœur rouge on s'en fout, la bombe on prend. Ça, on pète là, voilà, on récupère du pognon. Eh, en vrai, pourquoi je bombe pas les portes? Ouais, je découvre un peu Isaac en même temps. Voilà. Voilà, gros jeu, gros skill. Je suis un génie. Voilà. Voilà. Excellent, excellent, c'est vraiment ce qu'il me fallait comme item, j'ai adoré. Bonjour. C'était la pire porte du monde. Non! Ok, crevez tous ici. Voilà, merci. Je peux passer là, très bien. Soit je vais le faire à la main. Voilà, ça va vite. Et là, il y a le boss, enfin. Hop là. Ok, donc le boss. C'est rigolo. Et j'ai marché sur les mauvais trucs. Foutu boss. Voilà, très bien. Il nous file un item. Nous, on a strictement rien à foutre. Et il nous file un deuxième truc dont on a peut-être un peu plus à foutre parce qu'on est maintenant un petit chat. Et être un petit chat, c'est cool, on aurait dû utiliser notre activable contre lui. Mais bon, passons, on a oublié, c'est notre faute, mais à coup de part. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Oui, ici, il y a un cœur bleu. J'y ai cru. Ici, il y a un cœur bleu. J'y ai cru. Ici, il y a un cœur bleu. Bof. Ok, donc on est un petit chat, donc on vole. Déjà, bon point. Et on génère des mouches, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire d'être un petit chat. Ouf. Hop là, merci. Ok, hop là, merci. Ok, hop là, merci.
Ok, on peut la merci, non. Ok, on peut la merci. Très bien. Très bien, merci, je remonte. Merci, très bien, je remonte. Bah, c'est fini. Bonjour, vous pouvez tous crever. Ok. 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 Voilà, on a réussi tout le monde. Et là, on arrive au boss, Hit Leaves, tu vois. Et genre, on est heureux. Et on se fait toucher bêtement. Parce qu'on est un peu con. Et on part côté le bonheur, c'est génial. Le bonheur, c'est la vie. Qui est notre côté préféré. Alors là, si on meurt, on a Dead Cat, on a 12 millions de vies. On s'en fout, vous voyez. Allez, boum. Est-ce que je le one-shot? Ok, je le one-shot. Là, par contre, on a des ennemis qui sont one-shotables. Donc peut-être en profiter pour les one-shotter, tu vois. Et quand je dis des ennemis one-shotables, c'est des ennemis qui ont tellement une zone énorme. The Young Man, ça sert à rien. Qui ont tellement une zone énorme qu'on les one-shot en tirant juste au milieu de la salle à chaque fois parce qu'on a des dégâts sur une salle, quoi. Ok, très bien, merci. Je sais pas comment j'ai gagné, mais j'ai gagné. Ça, c'est de l'emmerde. Ok. 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 Très bien. Tournons à gauche parce que j'y crois. Voilà, et j'ai le droit d'y croire. Oulala, oulala, oulala. Voilà. Très bien, merci monsieur. Tu ne loutes rien, t'es un enfoiré. Je m'en doutais. Ah, je me suis suicidé parce que je suis pas très malin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est bien là, c'est juste des vies. On n'a pas récupéré de cœur bleu, enfin de nouveaux cœurs. Donc on est juste en galère avec un manque de points de vie. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Merci. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, bof, hein. Dit comme ça, bof. Je vais pas te mentir, dit comme ça, bof. Très bien. The World. Bon, on s'en fout de The World. Ah non, on s'en fout pas. On l'active ici. Voilà. Tac, Secret Room. Quelle est cette carte? Two of Spades. Bah écoute, il faudrait qu'il y ait vraiment, vraiment beaucoup de coffres au chest pour que ça ait un impact, mais pourquoi pas. Isaac. Ok. Voilà. Voilà. C'est terminé, merci. Salle, étage suivant, pardon, direction The Chest. Méga Satan, évidemment, la porte va s'ouvrir. La porte de Méga Satan s'ouvre. Et on est heureux. On est très très heureux quand la porte de Méga Satan s'ouvre. Le D7, ça fait quoi? Le D7, ça fait quoi? Attendez, parce que je suis perplexe, là. Le D7, alors attendez. When used, the D7 will restart the command room and bring back all the... Ah, ça restart la salle. Donc ça veut dire que si je prends Explosivo, je prends le D7 et je fais ça, ça fait strictement rien, très bien. Très très bien. Et donc sinon on a que désactivable, c'est ça l'idée. Et bah c'est génial, hein. C'est génial, c'est génial. Voilà. Bah, donnez-moi des cœurs. Donnez-moi des cœurs. Démerdez-vous. Donnez-moi des cœurs. Attendez, on va faire un premier essai sans utiliser The Magician. Parce que j'ai envie de faire un premier essai à la tranquille, quoi. On pourra utiliser notre activable, ça me va. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai oublié de t'allumer. On peut utiliser notre activable, mais c'est tout. Ok. Est-ce que ça se trouve, si je joue bien, j'y arrive?
Ok. Ah ça va être ch... Ah non ça va pas être chiant. Ça va pas être chiant, je joue au knife. Ouais malgré tout je joue au knife donc Ok. Ok. Je sais pas si je l'ai vraiment utilisé au bon moment, mais je l'ai utilisé, c'est déjà ça. Ok. Quoi? Ça c'est un ennemi ça. Ça fait partie des vagues. Dans quel pays ça fait partie des vagues d'ennemis? Ok, me fais pas chier toi. Ok, vas-y crève. Vas-y, suivant. Ah ouais, carrément. Ok. Vas-y. Vas-y. Ok. Bon. Bah je pensais que c'était plus dur en fait. Mais voilà, on a réussi à faire le fameux méga Satan sans se faire toucher. Donc on n'aura pas eu besoin de farmer, on n'aura même pas utilisé notre carte de magician. Aurait pu nous faciliter un petit peu les choses ou peut-être nous mettre dans la merde si les ennemis se précipitaient sur nous et que ça les bloquait et que ça nous a explosé la gueule. Mais bref, on a réussi ce challenge, les amis. I rolls, I roll. Bref, on se laisse, on se dit à la prochaine. C'était Unstar Bleachers. Oh yeah! Allez, bye!